J'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Donc, ce matin, Alia s'est réveillée à 9h30. Grâce mat grave pour elle. Et là, j'attends. Elle est encore en train de dormir. Parce qu'elle a vu son bibi, elle a joué, elle a beaucoup parlé. En ce moment, Alia est en phase où elle parle énormément. Mais, genre, vraiment, genre, c'est incroyable. Enfin, parle, vous m'avez compris. Mais voilà, elle parle, elle rigole. C'est un truc de dingue. Elle s'arrête pas, une vraie petite pipelette. Et après, bah, elle s'est rendormie. Comme d'hab, le matin, elle aime bien faire sa petite sieste d'une heure avant son bibi et avant que je la prépare. Donc moi, je suis déjà prête et tout. Là, je vais préparer mon sac à langer. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo sur qu'est-ce que je mets dans mon sac à langer. Voir, j'ai trop hâte. Donc, vous avez vu toutes les couleurs que j'ai de chez dans le sac à langer d'Alia. Donc, j'ai une petite pochette comme ça. Ou dedans, je prends toujours une tétine en plus au cas où, voilà, je perds sa tétine, voilà, on la perd. J'ai ça pour les bactéries, donc pour mes mains, pour laver les mains avant que je donne chaque bibi. On a un petit bavoir, d'ailleurs je vais le changer parce que lui c'était celui d'hier, donc hop, au sale. Ensuite, je prends, voilà, je prends toujours deux bibis au cas où, après, après je les lave hein, sur place où je suis, hein. Si jamais j'ai besoin de plus que deux bibi. Donc là, voilà, je les prépare. Hop. C'est toute une organisation. Là. La tétine. Ensuite, je prends des doses toujours préparées. Donc ça, c'est tout chèque. Hein. Voilà. Je vais en mettre une quatrième. Donc là, je vais en préparer la quatrième. Je vais en mettre une autre. On ne sait jamais. Vaut mieux prévoir. Hein. 4 bibi. Ensuite, j'ai dans le sac à langer toujours ça. Au cas où, Alia à chaud. Donc Amazon, pour celles qui m'ont déjà demandé. On retrouve aussi donc, une bouteille d'eau. Donc ça, c'est l'eau que je donne à Alia donc pour les bibi. Ensuite, on retrouve des lingettes au liniment pour la nettoyer, les mettre pour son visage. Et, je préfère l'avoir toujours avec moi. J'ai une crème aussi solaire, on ne sait jamais. Puis, je vais rajouter un petit change au cas où elle se salit. Et je vais rajouter aussi le déodorant. Très, très, très important. Petite lunette de soleil que bah, Julie a acheté à Alia au cas où. Et là, il faut que je vide à chaque fois les bavards. Et le dos aux dents, il faut que je le mette tout de suite. Alors, plusieurs informations pour vous concernant les sœurs K. Alors, la première. Donc voilà, aujourd'hui, petite balade à Menton. C'est la ville où j'ai trouvé où les températures étaient vraiment, vraiment sympas pour Alia. Donc voilà, on va commencer par manger. Et puis je vous dirai à chaque fois, je vous mettrai les petites adresses. Je sais pas ce que j'ai, t'as vu, j'ai des boutons de moustique. Ouais. Au visage. Bon, bref, ouais. En tout cas, voilà. Alors ici, vous pouvez manger des moules, mais regardez dans quoi ils nous les servent, c'est trop drôle. C'est une grosse marmite, genre. Donc on a tous notre grosse marmite. Waouh, elle marche. Allez, viens, marche. T'es trop fort. Waouh.